Un fauteuil roulant, un déambulateur ou une potence. Dans ce magasin d'Evreux, le matériel médical attend sa seconde vie. Vendu 60% moins cher que du neuf, il permet aux plus modestes de s'équiper. En 2013, le reste à charge des patients pour s'acheter ces équipements s'élevait à 7 milliards d'euros. Un frein d'ampleur pour un public demandeur. Le problème, c'est que bien souvent, des fois, il faut attendre 5-6 mois pour avoir un matériel. C'est vrai qu'avec ces appareils qui vont être préparés, ça peut être assez rapide. Après avoir été collecté auprès d'hôpitaux, d'EHPAD ou de particuliers, le matériel est reconditionné puis aseptisé avant d'être remis sur le marché. Un travail qui demande de la minutie. Bien identifier le matériel qu'on ne pourra pas reconditionner et après identifier aussi l'autre partie du matériel qu'on pourra démanteler pour récupérer des pièces qui, elles, sont en bon état pour pouvoir avoir une banque d'organes et reconditionner du matériel avec des pièces constructeurs et garanties 2 ans. Tu le mets dedans. Hop. Une garantie indispensable pour les clients très exigeants quand il s'agit d'acheter des équipements médicaux. Dans le domaine de la santé, effectivement, on est dans l'intimité des personnes. Ce sont les aides techniques, donc c'est ce qui va les aider tous les jours. Bon, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des aides techniques qui soient vraiment adaptées donc, à leur situation. Il faut que ce soit des aides techniques qui soient tout à fait donc, en état donc, de remplir leur office. Hein. On ne peut pas se permettre d'avoir un petit quelque chose qui colle pas. Si la réussite est au rendez-vous, l'entreprise projette d'ouvrir un nouveau magasin en Seine-Maritime d'ici 2 à 3 ans.